I'ma take my time, steady rhymes, just know that I got you and you're all mine. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un big haul, mi-solde, mi-nouvelle collection. J'ai surtout acheté en ligne, j'ai pas trouvé énormément d'articles intéressants dans les magasins, vraiment très très peu. Il y avait jamais ma taille ou alors il y avait pas du tout ce que je recherchais, donc voilà, j'ai surtout passé des commandes, j'ai trouvé des pièces trop belles, soldées et non soldées, je vais vous montrer tout ça. Et je vous mettrai dans la description tous les liens, parce qu'il y a plein d'articles qui sont encore disponibles, même des articles soldés, donc ça c'est trop cool. Il y a des articles aussi qui sont susceptibles de revenir en stock, faut surveiller, je les ai vus revenir plusieurs fois, et j'essaierai de vous trouver comme d'habitude des dupes, des choses à des prix différents, dans le même esprit, etc, surtout pour ce qui n'est plus en stock. Bref, j'espère que ça va vous plaire en tout cas, et c'est parti. Donc on va commencer avec ma meilleure affaire des soldes, en tout cas je pense que c'est ça, c'est le sweat Calvin Klein qui était dans ma wishlist de Noël, je sais pas si vous allez vous en souvenir, que j'ai trouvé à moins 50% sur le site de Calvin Klein, donc c'est celui-ci. C'est un sweat noir avec des empiècements en vinyle, il y en a deux. Donc il y en a un devant comme ça et il y en a un derrière. De toute façon je vais vous montrer tout porté puisque ce sera beaucoup, beaucoup plus parlant comme d'habitude. Je préfère vous montrer les choses portées. Donc il était à moins 50% à 59€ au lieu de 119, donc c'était hyper avantageux. Même pendant le Black Friday il était moins soldé que ça, donc j'ai bien fait de ne pas l'avoir acheté pour Noël tout ça, parce que du coup je l'aurais payé beaucoup plus cher. Et il y a plein d'autres suites, plein d'autres vêtements Calvin Klein qui sont à moins 50%. Et il est de super bonne qualité, il est hyper bien fait, j'ai pris du L si ça vous intéresse. J'ai acheté une super belle veste chez Pull&Bear, donc c'est une sorte de veste en jean, mais c'est pas vraiment du jean, c'est plus une imitation, et elle est en imprimé serpent comme ça. Voilà, donc c'est un imprimé blanc, marron, beige je dirais. Enfin, en tout cas personnellement j'aime beaucoup beaucoup la couleur, je trouve que ça va hyper bien rendre au printemps et cet été. Comme je vous disais c'est pas vraiment du jean en fait, c'est quelque chose de plus fin et plus élastique que du jean, donc c'est hyper confortable. C'est une veste de la nouvelle collection, donc elle était pas du tout soldée malheureusement, j'ai regardé sur les sites où elle était vendue et il n'y avait jamais de promo. Et elle était du coup à 35,99€, elle est dispo sur le site Pull&Bear, elle est dispo sur Zalando aussi, elle est dispo en boutique, donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez la trouver hyper facilement. On passe aux choses que j'ai achetées en boutique directement, c'est juste deux articles chez Zara, j'ai rien trouvé d'autre. Le premier c'est un pull qui est assez simple, qui est tout fin comme ça, col roulé un peu, enfin col montant, et sur les côtés il a des bandes sur les manches. Comme ça, je trouve ça trop beau, j'en voulais vraiment vraiment un comme ça. Il était à 12€ au lieu de 17€, celui-ci je l'ai trouvé il n'y a pas du tout longtemps au solde. Et le deuxième pull que j'ai pris, c'est un gros pull noir qui est bimatière en fait, donc là il est normal. Et sur les manches, c'est comme si c'était une manche tricotée, genre en maille. 29,99€ au lieu de 39,99€, c'est des soldes Zara quoi. C'était la première des marques chez Zara, ce pull. Je l'ai pris parce que c'était vraiment ma taille, parce que je le trouvais hyper beau et tout, je l'ai pas retrouvé après. Mais c'est pas des soldes, c'est 30€ un pull, c'est un prix normal. C'est déjà 40€, je pense qu'il était un peu cher à la base, mais on est plus étonné, j'ai envie de dire, chez Zara. Cette année, en fait, au solde, j'ai vraiment essayé d'acheter que des choses qui m'allaient vraiment, que je voulais vraiment et que j'allais mettre. Parce que sinon on a tendance à acheter un peu n'importe quoi sous prétexte que c'est soldé. C'est pour ça je pense que j'ai pas acheté non plus énormément de choses chez Zara, mais je me suis bien rattrapée ailleurs, donc c'est pas grave. Ensuite j'ai acheté une casquette Gavroche en simili cuir de la marque Topshop. Je l'ai achetée sur Zalando en fait. Elle est comme ça, donc c'est une forme tout ce qu'il y a de plus basique, elle est pas rigide et je l'ai payée 14€ au lieu de 20, donc c'était pas très très bien soldé. Mais j'en voulais vraiment une comme ça, j'adore les casquettes Gavroche, j'en ai plusieurs. Mais j'en ai que en tissu, donc j'en voulais une qui soit comme ça en simili cuir parce que ça change et j'adore cette matière. Je pense que je vous ferai une petite sélection de casquettes Gavroche en solde ou pas en solde d'ailleurs dans la description. Ensuite j'ai acheté une paire de lunettes de soleil de la marque Quay Australia. Je ne l'ai pas achetée sur le site parce qu'elle était plus dispo, je ne la trouvais plus. Donc je l'ai commandée sur le site Pretty Little Thing parce qu'elle était dispo et parce qu'elle était soldée. Mais elle était à 39€, soldée donc à 39€. Ils avaient écrit qu'elle coûtait 55€ de base, sauf que moi je pense qu'elle coûtait 45€ de base. Donc au final 39€. Plus les frais de port, je les ai payés le vrai prix. Donc c'est celle-ci, c'est le modèle qui s'appelle Clout en fait, c'est donc des verres ovales tout fins comme ça, tout petits avec une petite monture, c'est une monture toute noire, les verres tout noirs c'est vraiment exactement ce que je voulais, j'adore les lunettes comme ça en ce moment, les lunettes toutes noires comme ça j'aime trop. Donc je sais pas si jamais je vais les retrouver pour vous les mettre dans la barre d'infos, si jamais je les retrouve je vous les mettrai avec plaisir, je vais vraiment chercher, mais si je les trouve pas j'essaierai de vous trouver des dupes. Je crois qu'il y a une autre paire d'ailleurs chez Quay Australia qui ressemble beaucoup et il y a d'autres coloris aussi, puis voilà j'essaierai de regarder aussi d'autres marques et d'autres prix. Ensuite on passe à ma big commande Naked. J'ai commandé donc pour la deuxième fois sur le site. Je trouve qu'ils font vraiment des pièces canon que j'arrive pas à trouver forcément ailleurs dans d'autres boutiques et d'autres sites.
Mais les prix, c'est vraiment abusé. Enfin, même les trucs les plus simples, les t-shirts les plus basiques, les plus fins sont quand même chers, je trouve. Enfin, si vous êtes déjà allé sur le site, vous avez dû vous rendre compte que c'était quand même plus cher que d'habitude. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Donc, clairement, j'en ai profité que ce soit les soldes et d'avoir un code promo valable sur les articles non soldés pour passer une grosse commande. J'aime trop ce que j'ai trouvé, donc je vais vous montrer tout ça. Et il reste beaucoup d'articles en promo sur le site. Il y a plein de jolies pièces avec beaucoup de tailles et tout. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Ok, donc la première pièce que j'ai achetée sur Naked, c'est un blouson imprimé serpent, pas du tout comme le Pull&Bear. Donc il est comme ça. Donc c'est un blouson qui est court en fait, qui est même très très court. Et il est en imitation cuir. Il était à 47€ au lieu de 80, ce qui me paraît être complètement abusé comme prix. C'est pas du tout quelque chose qui tient chaud ou quoi, la matière elle est vraiment toute fine. Après ça reste quand même une pièce que je suis contente d'avoir parce que je trouve qu'elle est vraiment stylée et j'en avais pas vu des comme ça ailleurs. Ensuite j'ai pris un jogging, donc comme ça, donc c'est un jogging taille haute noir avec écrit Naked partout, donc partout. Il est vraiment beau, franchement il est vraiment bien taillé, c'est un vrai taille haute, la matière est top, il est assez long et tout, franchement il est parfait. Il était à 22€ au lieu de 45€ et il y a le haut qui va avec, mais j'ai peur que ça passe un peu pyjama, peut-être un peu trop. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, si ça vous intéresse, j'ai pris la taille M et c'est parfait pour moi. J'ai pris un pantalon en simili cuir taille haute, ce qui est vraiment vraiment beau. Donc c'est un simili cuir mat comme ça. Donc c'est un pantalon qui ressemble un petit peu à un legging, mais c'est quand même plus épais qu'un legging. Voilà, et au bout, il a des fermetures éclair. Il est vraiment vraiment beau, il taille vraiment bien. Moi j'ai toujours du mal à trouver un taille haute qui soit bien taille haute et qui ne baille pas en fait, et qui soit assez long aussi. Et du coup, il coûtait 56€, il n'était pas soldé malheureusement, mais il y en a qui sont soldés, il y a des pantalons en simili comme ça soldés sur le site. Je sais qu'il y en a chez Zara aussi, des beaucoup moins chers d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi Zara, j'en ai essayé quelques-uns, ça va jamais en fait. Alors ensuite, j'ai pris un t-shirt de la collection entre Chloé B et Naked, sauf que c'était la première collection, c'était genre fin 2018, un truc comme ça. Et donc j'ai pris celui-ci, vous le connaissez peut-être du coup. J'adore la couleur, j'adore le message, j'adore la forme toute simple et j'ai pas beaucoup de t-shirts que j'aime bien, donc du coup j'étais trop contente de le trouver. Il était du coup à 16€ au lieu de 23€ je crois. Malheureusement je sais pas s'il est toujours dispo parce que quand je l'ai pris c'était comme si c'était le dernier en fait. Et en noir je crois qu'il est plus dispo non plus, mais j'ai vu des tas de choses revenir sur Naked en fait, je pense que les gens ils font des retours ou je sais pas. Et du coup il y a du stock qui revient, donc je vous conseille de vérifier si jamais vous êtes intéressé par un article en particulier. Ensuite j'ai acheté quelque chose que j'adore et qui était à moins 50%, c'est un corset qui est comme ça. Donc c'est un corset en effet satin avec du lassage en fait sur les côtés et au milieu, et c'est pas du tout un vrai corset, hein, ça sert pas du tout, c'est très confortable. Bon ok, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à porter dans la vie, mais je trouve que ça change tout en fait à la tenue qui peut être hyper basique, genre jean t-shirt. Ensuite j'ai acheté un blazer en simili cuir qui est magnifique, mais il faut vraiment que je vous le montre porter puisque là on dirait, enfin ça va pas du tout, on voit rien du tout. Mais bon, en gros il est comme ça. C'est un blazer qui se ferme avec une ceinture en simili cuir aussi. En fait on voit que c'est pas du cuir, mais c'est vraiment bien imité, c'est un simili cuir qui est mat. Donc il était à 62€ au lieu de 90€, et 90€ pour moi c'est du délire. Je comprends pas. Il vaut pas du tout 90€, pas du tout. Mais je le trouve vraiment beau, c'est une super jolie pièce et j'en avais vu nulle part, des comme ça ailleurs. J'ai pris deux sweats, donc il y en avait un qui était pas soldé, c'est celui-ci. Donc c'est un sweat tout ce qu'il y a de plus basique en fait. Il est pas très long, mais il est assez large. Et il est couleur sable comme ça. Alors ce sweat existe en genre une vingtaine de couleurs. Il y a certaines couleurs qui sont en solde d'ailleurs, celui-ci donc ne l'était pas. Il était à 27,95€. Mais j'avais un code promo sur les articles non soldés, donc je l'ai eu genre à 23€, un truc comme ça. Et le deuxième que j'ai acheté, il est comme ça. Et en fait le détail c'est les manches, puisqu'il a des manches un peu comme si elles étaient resserrées en fait au niveau des coudes. Je vous montrerai ce que ça donne porter, puisque là c'est pas évident de se rendre compte. Il était à moitié prix, il était à 16€ au lieu de 34 du coup. Le dernier article de ma commande c'est encore une paire de lunettes de soleil, cette fois-ci c'est de la marque Le Spex. Donc c'est celle-ci. Voilà comment elle est, c'est une paire genre carré arrondie.
qui a une monture dorée. Elle était à 47 euros au lieu de 75, enfin sur le site c'était écrit 85. Donc ils ont un peu gonflé le prix de la paire, mais elle était toujours très très bien soldée. Je vous conseille d'aller faire un tour sur le site Naked si jamais vous cherchez des lunettes de soleil, parce qu'il y en a beaucoup 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 en promo. Il y en a qui sont à moins de 10 euros, c'est donc les paires de la marque Naked. Elles sont hyper stylées et il y en a aussi des plus chères, voilà, par exemple de marques, genre je crois qu'il y a Ray-Ban, mais je sais pas si elles sont soldées les Ray-Ban. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Maintenant il va falloir que j'aille me filmer avec les vêtements portés sur moi. J'ai un peu la flemme, mais bon. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, puisque je vais vraiment y passer du temps. Je vais essayer de vous trouver le maximum d'articles dont j'ai parlé dans cette vidéo et de vous faire des sélections. Et n'hésitez pas aussi à me donner vos idées de vidéos dans les commentaires, à me dire ce qui vous ferait plaisir et tout ça. Comme ça, j'y penserai quand je ferai mes prochaines vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve bientôt. Take your time, there's no need to rush. Just see with your eyes just what you got. We got a strong, strong kind of love. Cause my heart just can't get enough.